Samedi 28 janvier.
Bien, la séance est ouverte. Je déclare cette séance ouverte et je déclare aussi les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Monsieur Breton Lény, en tant que plus jeune de l'Assemblée municipale, a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. Et j'appelle à la présidence de cette séance la doyenne de l'Assemblée municipale, Marie-Yvonne Maignan. Bonjour à tous. Donc, en tant que plus âgé des membres de ce conseil municipal, je vais d'abord procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Alors, Maignan Marivonne, donc elle est présente. Doisy Frédéric. Dosias Alain. Fouché Eliane. Estrade Philippe, Godard Rémy, Baudry Benoît, Santon Ardouin Nathalie, Breton Cuo Katia, Pen Bénédicte, Loquet Christophe, Ropers Jean-Philippe, Genon Armel, Machefer Cédric, Richard Delphine, Chausse-Pied Aurélie, Prudhomme Régis, Seyé Julien est absent et donne procuration à Alain Dosias, Raymond Amandine, Alais Stéphanie, Marquis Séverine, Morin Ludovic, Pinon Olivier, Ménard Amélie, Le Rouge Sylvestre Ingrid, Gripon Thomas, Breton Lény, Togourdeau Jean-Charles, Turc Claudette, Bougio Marie-Christine, Falour Jean-Jacques, Leget Didier, Guillemot Audrey. Donc, il y a donc 32 conseillers présents et un excusé. Donc, nous constatons que la condition de quorum posée par l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 est remplie. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Alors, en application de l'article L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, pour ce faire, nous allons appeler donc, deux assesseurs. Alors, je vous propose Madame Bénédicte Pen et Madame Audrey Guillemot. Donc, je vous propose de venir ici, si tout le monde en est d'accord. Il n'y a pas d'objection.
pas marqué. Je lis ça d'abord. Oui. Je demande après. C'est pas marqué. Alors pour le déroulement du vote, donc chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, va s'approcher de la table de vote, là où sont les deux assesseurs, et donc nous allons procéder au vote. Voilà. Alors, dans un premier temps, la question à poser, y a-t-il des candidats? Oui. Donc, Alain Dosias est candidat. Il y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc, nous allons procéder au vote. Alors, je rappelle dans l'ordre, donc je vous laisse déjà voter. Il faut préciser, non, qu'il faut écrire le nom. Oui, mais il ne faut pas mettre blanc, faut pas mettre ça. Comme je suis tout seul, il y en a qui vont peut-être rien mettre. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Madame Gilles, pour indiquer d'écrire le nom sur le bon. D'indiquer qu'il faut écrire le nom sur le bulletin. D'indiquer aux gens qu'il faut écrire le nom et le prénom sur oui, le bulletin. C'est mieux, oui. Oui, mais... Pour rappel, il faut préciser le nom et le prénom de la personne sur le bulletin. Pour l'élection, donc, je vais donc procéder à l'appel comme tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer le chemin puisque Maignan Marivonne est la première. Doisy Frédéric. Dosias Alain. Fouché Eliane. Estrade Philippe. Godard Rémy. Baudry Benoît. Santon Ardouin Nathalie. Breton Cuo Katia.
Pen Bénédicte. Loquet Christophe. Ropers Jean-Philippe. Genon Armel. Machefer Cédric. Richard Delphine. Chausse-pied Aurélie. Prud'homme Régis. Julien Seyé, donnant procuration à Alain Dosias. Raymond Amandine. Alain Stéphanie. Marquis Séverine. Morin Ludovic. Pinon Olivier. Ménard Amélie. Le Rouge Sylvestre Ingrid. Grippon Thomas. Breton Lenny. Togourdeau Jean-Charles. Turc Claudette. Bougio Marie-Christine. Falour Jean-Jacques.
Le jet, Didier. Guillemot, Audrey. Donc, à l'appel de votre nom, chacun s'est déplacé auprès de la table de vote. Il a été fait constat au président qu'il n'était porté que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l'urne où le réceptacle prévu à cet effet. Donc aucun conseiller n'a participé, enfin tous les conseillers ont participé, tous les noms ont été enregistrés. Donc nous allons maintenant procéder au dépouillement. Donc après le vote du dernier conseiller, il est procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau ont été sans exception signés, donc ce n'est pas le cas, il n'y en a aucune. Voilà, donc il n'entre pas, s'il y en avait une, il n'entrait pas dans le compte, évidemment. Voilà, donc nous allons maintenant procéder au dépouillement. Alain. Il marche pas. Alain Dosias. Alain Dosias. C'est trop bien. Alain Dosias. 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 Alain Dosias.
Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Alain Dosias. Donc, après vérification, donc voici les résultats du premier tour de scrutin. Donc, tous les conseillers ont participé au vote. Donc, il y avait 33 votants avec 33 enveloppes déposées. Zéro suffrage ont été déclarés nuls, 6 suffrages blancs, 27 exprimés et la majorité absolue étant de 17. Donc ont obtenu, a obtenu les 27 voix Alain Dosias. Donc Alain Dosias est proclamé maire et va maintenant s'installer. Merci beaucoup. Je suis très honoré de cette distinction et auprès de mes collègues, je vais assurer cette fonction le plus sereinement possible et avec beaucoup de volonté pour le bien de Beaufort en Anjou. Je compte sur vous aussi, sur vous tous. Merci. Merci de cette campagne, mais je continuerai par la suite. Je ferai une petite déclaration à la fin. Je commence. C'est ça. Donc, on va continuer le déroulement par le vote, je crois, des adjoints. La désignation du nombre d'adjoints. Alors, le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Excuse-moi, là, il y a le nombre d'adjoints à définir avant. Ah, c'est là-bas. Pardon, excusez-moi, c'était la ligne de la page précédente. Alors, sous la présidence de M. le maire Alain Dosias, l'article L21-22-17 du CGCT, le conseil municipal, a été invité à procéder à l'élection des adjoints. Le président a indiqué qu'en application des articles L21-22-1 et L21-22-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 9 le nombre des adjoints au maire de la commune. Alors j'ai déjà lu ce que liste, donc on est 9 adjoints. On va procéder. Alors, le conseil municipal a essayé de laisser un délai de 1 minute pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux qu'en adjoints à désigner. Donc, ma liste est déposée. La liste est déposée. Une minute, donc, il y a une liste déposée pour l'instant. Et les 9 ? Pourquoi lui dire ? Lui seul supporte, c'est un majoritaire. Oui, alors je dis quoi ? Monsieur Godard doit se porter candidat. C'est le premier adjoint, c'est ça ? Très bien. Bah, écoutez, je me porte candidat pour être premier pour adjoint et pour la liste des adjoints de Beaufort en Anjou. Excusez-moi, mais est-ce qu'il ne faut pas voter le nombre d'adjoints avant ? J'entends pas. Répète ta question, je n'ai pas entendu. Excusez-moi, mais selon le point 2, il faut voter le nombre d'adjoints. Point 2. Point 2 du. Je ne vois pas le point 2, ça y est. Il faut voter le nombre d'adjoints. Où est-ce que c'est ? Il faut voter le nombre d'adjoints, c'est ça ? Bah, ça paraît marqué, dis-moi, là, hein. 3-2, moi j'ai... Le point de détermination du nombre d'adjoints, projet de délibération, il faut voter le nombre d'adjoints avant, à main levée peut-être. Mais bon, on vote le nombre d'adjoints. Et... Donc, pour le nombre d'adjoints, donc à 9 qui est le maximum, c'est un autre papier, d'accord. Alors, en application des articles du Code général des collectivités, il y a lieu de fixer le nombre de postes d'adjoints au maire, 30% de l'effectif global. Je vous propose de créer 9 postes d'adjoints. Alors, il vous appartient d'en délibérer. Alors, le conseil municipal, après en avoir déclaré, décide de fixer. Alors, qui vote pour ? Alors, moi, je suis 2, hein. Donc il y a 27 pour, qui s'abstient, 6 abstentions, et donc qui vote contre, 0. Donc après en avoir délibéré, décide de créer 9 postes d'adjoints pour la durée du mandat. Voilà, donc on passe au vote des adjoints. Donc Monsieur Godard s'est porté candidat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Une autre liste ? Non, il n'y a pas d'autres listes de candidats. Donc, on va annoncer le... Donc, j'invite chaque conseiller municipal à déposer son bulletin de vote, écrit sur papier blanc, dans l'urne prévue à cet effet. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après, bon, on va le faire. Donc, vous écrivez simplement la liste. Attends, Alain, faut donner la liste. Excuse-moi.
faut donner la liste des adjoints. Mais je ne l'ai pas la liste là. On va voter la liste des adjoints. C'est Monsieur Godard qui représente les 9 adjoints. Sur l'enveloppe, vous allez écrire. Alors, voici la liste. Premier adjoint, Rémi Godard. Deuxième adjoint, Marie-Yvonne Maignan. Troisième adjoint, Julien Seyé. Quatrième adjoint, Frédéric Doisy. Cinquième adjoint, Benoît Baudry. Sixième adjoint, Amélie Ménard. Septième adjoint, Régis Prudhomme. Huitième adjoint, Bénédicte Peine. Et neuvième adjoint, Jean-Philippe Ropers. Alors, sur le bulletin, vous inscrivez uniquement le nom de Rémi Godard. Alors, je vais inviter chaque conseiller, c'est ça? J'ai la liste, là. Non, je les ai amenés. Donc je vais procéder à l'appel de chaque conseiller. Marie-Yvonne Maignan. À voter. Frédéric Doisy. À voter. Alain Dosias. À voter. Eliane Fouché. À voter. Philippe Estrade. À voter. Rémi Godard. À voter. Benoît Baudry. À voter. Nathalie Santon-Ardouin. À voter. Katia Breton-Cuot. À voter. Bénédicte Peine. À voter. Christophe Loquet. À voter. Jean-Philippe Ropers. À voter. Armel Genon. À voter. Cédric Machefer. À voter. Delphine Richard. À
À voter. Aurélie Chausse-Pied. Régis Prud'homme. À voter. Julien Seyé. À voter. Amandine Raymond. À voter. Stéphanie Allais. À voter. Séverine Marquis. À voter. Ludovic Morin. À voter. Olivier Pinon. À voter. Ménard Amélie. À voter. Le Rouge, Ingrid Le Rouge Sylvestre. À voter. Thomas Grippon. À voter. Jean-Charles Tougourdeau. Ah, pardon, Lénie Bretonne. Oui, je voyais pas. Je suivais comme ça. À voter. Non. Jean-Charles Tougourdeau. À voter. Claudette Turc. À voter. Marie-Christine Bougeot. À voter. Jean-Jacques Falour. À voter. Didier Leget. Je fais quoi? À voter. Audrey Guillemot. À voter. Bien. Tout le monde a voté. On va procéder au dépouillement. Liste Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard.
Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Blanc. 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 Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Godard. Blanc. Rémi Godard. 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 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue est à 17. Après vote à bulletin secret, la liste conduite par Rémi Godard a obtenu 27 voix. Cette liste ayant obtenu la majorité absolue, les conseillers municipaux suivants ont été proclamés adjoints au premier tour de scrutin. Alors je rappelle, M. Rémi Godard, Mme Marie-Yvonne Ménian, M. Julien Seyer, Mme Frédéric Doisy, M. Benoît Baudry, Mme Amélie Ménard, M. Régis Prudhomme, Mme Bénédicte Penn et M. Jean-Philippe Repers.
sont donc adjoints. Alors nous allons procéder à l'élection du maire délégué de Beaufort-en-Vallée. Conformément à l'article L21-13-10 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Beaufort-en-Anjou est constituée des communes déléguées de Gé et de Beaufort-en-Vallée. Dès lors que leur institution n'a pas été exclue lors de la création de la commune nouvelle et qu'elles n'ont pas été supprimées, l'article 21-13-11 précise qu'en ces conditions, un maire délégué est institué de plein droit pour chaque collectivité. Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection d'un maire délégué de Beaufort-en-Vallée, conformément aux dispositions prévues à l'article 21-22-7 du CGCT. Il précise que, conformément à l'article 21-13-12-2 du CGCT, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Il demande s'il y a des candidats. Donc, Julien Seyé est candidat. Alors, je représente Julien Seyé, je vous le rappelle. Julien Seyé est donc candidat. Donc on va procéder au tour de scrutin. Donc je vous invite à déposer un bulletin de vote écrit sur papier blanc le nom de Julien Seyé. Marie-Yvonne Maignan. À voter. Frédéric Doisy. Non. À voter. Alain Dosias. À voter. Éliane Fouché. À voter. Philippe Estrade. À voter. Rémi Godard. À voter. Benoît Baudry. À voter. Nathalie Santon-Ardouin. À voter. Katia Breton-Cuot. À voter. Bénédicte Pen. À voter. Christophe Loquet. À voter. Jean-Philippe Ropers. À voter. Armel Genon. À voter. Cédric Machefer. À voter. Delphine Richard. À voter. Aurélie Chausse-Pied. À voter. Régis Prudhomme. À voter. Alors. Julien Seyé.
À voter. Amandine Raymond. À voter. Stéphanie Allais. À voter. Séverine Marquis. À voter. Ludovic Morin. À voter. Olivier Pinon. À voter. Ménard Amélie. À voter. Ingrid Le Rouge Sylvestre. À voter. Thomas Gripon. À voter. Lenny Breton. À voter. Jean-Charles Taugourdeau. À voter. Claudette Turc. À voter. Marie-Christine Bougeot. À voter. Jean-Jacques Falour. À voter. Didier Leget. À voter. Audrey Guillemot. À voter. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Donc, 33 votes déposés. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Blanc. 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 Julien Cellier.
Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Julien Cellier. Blanc. Blanc. Julien Cellier. 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 Le nombre de votants est donc de 33. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue est à 17. Monsieur Julien Cellier est déclaré donc élu maire délégué de Beaufort-en-Vallée. Nous allons procéder à l'élection du maire délégué de G. Conformément à l'article 21-13-10 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Beaufort-en-Anjou est constituée des communes déléguées de G et de Beaufort-en-Vallée, dès lors que leur institution n'a pas été exclue lors de la création de la commune nouvelle et qu'elles n'ont pas été supprimées. L'article 21-13-11 précise qu'en ces conditions, un maire délégué est institué de plein droit pour chaque collectivité. Donc, Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection d'un maire délégué de G, conformément aux dispositions prévues à l'article L21-22-7 du CGCT. Il précise que, conformément à l'article 21-13-12-2 du CGCT, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de les maires délégués sont compatibles. Il demande s'il y a des candidats. Madame Marie-Vonne Meignan est candidate. Monsieur... Monsieur Didier Leget est candidat. Je vous invite donc à écrire sur votre bulletin. On va procéder à l'appel. Donc je rappelle Madame Meignan et Monsieur Leget. Marie-Vonne Meignan. À voter. Frédéric Doisy.
À voter. Eliane Fouché. Moi. Alain Dosias. À voter. Okay. Eliane Fouché. Philippe À voter. Philippe Estrade. À voter. Rémi Godard. À voter. Benoît Baudry. À voter. Nathalie Santon-Ardouin. À voter. Katia Breton-Cuo. À voter. Bénédicte Penn. À voter. Christophe Loquet. À voter. Jean-Philippe Ropers. À voter. Armel Genon. À voter. Cédric Machefer. À voter. Delphine Richard. À voter. Aurélie Chausse-Pied. À voter. Régis Prudhomme. À voter. Julien Seyé. À voter. Amandine Raymond. À voter. Stéphanie Allais. À voter. Séverine Marquis. À voter. Ludovic Morin. À voter. Olivier Pinon. À voter. Amélie Ménard. À voter. Ingrid Lerouge-Sylvestre. À voter. Thomas Gripon. À voter. Lenny Bretonne. À voter. Jean-Charles Tougourdeau. À voter. Claudette Turc. À voter. Marie-Christine Bougeot. À voter. Jean-Jacques Falour. À voter. Didier Leget. À voter. Audrey Guillemot. À voter. Nous allons procéder au dépouillement.
Marie-Yvonne Maignan. 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 Maignan. Didier Leger. Didier Leger. Didier Leger. Marie-Yvonne Maignan. 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 Didier Leger. Didier Leger. Didier Leger. Marie-Yvonne Maignan. Marie-Yvonne Maignan. Marie-Yvonne Maignan. Marie-Yvonne Maignan. Marie-Yvonne Maignan. Donc, le nombre de votants, 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Le nombre de suffrages blancs, 0. La majorité absolue, nombre de suffrages exprimés, 33. La majorité absolue est à 17. Madame Maignan a obtenu 27 et Monsieur Leger a obtenu 6 voix. Madame Maignan ayant obtenu la majorité absolue, elle est déclarée maire de G. Maire délégué de G. L'ordre du point, l'ordre du jour, à l'ordre du jour, le point suivant, c'est la charte de l'élu local, dont on doit tenir lecture.
qui s'adresse donc à tous les conseillers municipaux. Donc, je vais en faire lecture. L'article L2121-7 du CGCT prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu. Alors, on vous la remettra plus tard. Alors, les élus locaux sont les membres du conseil élu au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Et ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Alors là, il s'agit d'un extrait, d'une synthèse, mais qui est à lire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local pratique avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte dans des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, nous avons terminé ce conseil municipal. On va passer aux déclarations. Monsieur Turgodeau, vous avez une déclaration? Si vous voulez bien faire votre déclaration. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous m'excuserez, je ne me lève pas parce que pour pouvoir parler dans le micro. Mesdames, messieurs, nous saluons la nouvelle majorité en souhaitant bon vent à Beaufort-en-Anjou. Nous vous présentons, monsieur le maire, nos sincères condoléances pour le décès de votre père. Nous remercions les Beaufortaises et les Beaufortais qui ont toujours cru en nous. Nous remercions chacune et chacun des agents de nos services municipaux qui nous ont toujours accompagnés dans la réalisation de nos projets et qui veillent chaque jour au bien-être de nos habitants. Chaque jour, ils contribuent à l'attractivité de notre commune. Sans eux, un conseil municipal ne peut rien. Nous remercions toutes celles et ceux qui font de Beaufort-en-Anjou une petite ville centre dynamique, nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants, nos professionnels de santé, nos services sociaux et d'aide à la personne, les services de l'État, les services communautaires, départementaux et régionaux, avec une mention spéciale à notre brigade de gendarmerie, à notre centre de secours, aux enseignants de nos trois écoles et de notre collège. Et bien sûr, en dehors de l'école et du travail, un coup de cœur à tous les bénévoles et responsables de nos nombreuses associations qui animent notre vie locale au quotidien. Enfin, je veux saluer et remercier du fond du cœur mes coéquipiers, celles et ceux qui m'ont toujours accompagné avec une confiance indéfectible. Sans une équipe solide et solidaire, un maire ne peut rien. Vous formez aujourd'hui une très belle équipe, solide, motivée et vigilante, décidée à être une opposition à l'écoute constructive en priorisant les intérêts de Beaufort-en-Anjou et de ses habitants. Merci à tous. Bon vent à Beaufort-en-Anjou.
Merci pour vos condoléances. J'ai effectivement perdu mon père il y a 2 jours. Je remercie M. Tougourdeau et l'équipe municipale qui va faire déposer une gerbe à l'occasion de l'enterrement de mon papa. Je vous remercie très sincèrement. Mesdames, Messieurs et chers collègues, tout d'abord, je salue de manière républicaine l'action de Jean-Charles Tougourdeau et de son équipe pour leur investissement dans la commune ces dernières années. Ensuite, j'adresse un merci à tous les Beaufortaises et Géennes et à tous les Beaufortais et Géens qui sont venus voter, et un grand merci à ceux qui ont voté pour nous, qui nous font confiance. Je remercie aussi tous ceux de notre liste, les 35 colistiers, nos sympathisants actifs et ceux nombreux qui nous ont soutenus en portant la bonne parole pendant toute cette campagne de 3 mois. C'est le travail collectif accompli tous ensemble, tant dans la réflexion et la construction de notre programme que dans sa communication, qui a permis ce résultat inespéré. Nous sommes vraiment heureux de ce résultat qui nous autorise à réaliser sûrement et concrètement notre programme qui correspond au désir d'une grande majorité de nos concitoyens. Je voudrais quand même rappeler la raison de ces élections, car pendant la campagne électorale, beaucoup de personnes dans la rue, sur les marchés que nous avons rencontrés, nous ont demandé pourquoi ces élections. Alors d'abord, il y a eu une scission dans la majorité. Une partie ne s'est plus reconnue dans les choix qu'elle s'apprêtait à faire. Ce faisant, et naturellement, ce groupe s'est rapproché de la minorité, notre minorité, car par le travail en commission, nous nous connaissions très bien, nous travaillons bien ensemble et nous nous apprécions aussi bien. C'est alors qu'ensemble, nous avons considéré qu'il fallait redéfinir l'avenir de Beaufort avec les habitants en nous unissant, ce que nous avons fait. Et nous étions suffisamment nombreux. Nous avons donc pris nos responsabilités en démissionnant pour provoquer de nouvelles élections, permettant ainsi aux électeurs de réfléchir à ce qu'ils souhaitaient pour leur avenir de la commune. C'est ce qu'il s'est produit et vous connaissez maintenant le résultat. Une grande majorité, près de 64%, a choisi notre programme. C'est un grand tournant pour Beaufort, un grand changement. Un programme raisonnable qui privilégie le quotidien, la vie de tous les jours, des Beaufortais et Géens, par l'entretien et les travaux de voirie, de trottoirs, pour nos déplacements avec la définition d'un plan pluriannuel. L'entretien et les travaux concernant des bâtiments et salles pour nos loisirs et diverses occupations. Par le maintien en fonctionnement de la piscine, comme actuellement avec toutes ses activités. Par la prise de mesures d'urgence concernant l'école du château, dès les conclusions des experts connus. C'est un programme qui veut augmenter le niveau de qualité de la vie de tous, dans tous les secteurs. Un programme citoyen qui veut réaliser la proximité entre les élus et les habitants par la mise en place des maires délégués de Beaufort-en-Vallée et de Gé et de leurs conseils communaux associés, des comités de quartier, d'un conseil de sages, des comités consultatifs. C'est une volonté de faire remonter les informations du terrain par les habitants vers les élus. Un programme pour l'environnement, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la maîtrise de notre impact environnemental que nous mènerons dans la mesure de nos moyens. Et la réalisation de production d'énergie électrique par des capteurs solaires, avec notamment des projets citoyens que nous accompagnerons. Un programme pour la culture, avec un projet phare, notre seul gros investissement, un cinéma-théâtre, complexe culturel et festif, où on y fera aussi de la musique. Un programme pour le patrimoine, où la restauration de l'église est maintenue et où l'Hôtel-Dieu fera l'objet d'une programmation. Un programme qui veut renouer les liens avec les communes voisines de l'Entente-Vallée et de la communauté de communes Beaujeau-Vallée pour travailler en bonne intelligence. Un programme qui prend en compte la qualité de vie au travail des agents de la collectivité qui doit être satisfaisante. Un budget spécifique sera dédié à cette action. Le bien-être au travail est indispensable pour un fonctionnement optimum de la collectivité. Voilà très succinctement ce que nous vous proposons de réaliser pour les 3 ans à venir. Nous développerons tout cela très concrètement dans des feuilles de route que vous pourrez consulter. Nous, élus, allons donc nous mettre en travail avec force, honneur et courage, tous et toutes, élus de l'opposition et de la majorité, parce qu'il me semble que la raison pour laquelle nous nous sommes tous engagés est le bien-être de Beaufort et de ses citoyens. J'ai été du côté de l'opposition, j'ai toujours participé aux commissions avec motivation et avec la volonté de faire avancer les choses. Il n'y a pas de raison pour que cet esprit constructif change pour tous. Je nous souhaite, à nous, à tous, un bon travail. La femme vient d'être passée.
À nous d'agir pour faire naître nos projets et vivre le changement. Je vous remercie de votre attention. La formule. Donc, ce conseil municipal d'installation du conseil municipal de Beaufort-en-Anjou est clos. Et je vous invite à boire un pot avec nous maintenant. Merci.